take the Bible. Lisons dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 20. Let us read in Ephesians 6, from verse 10 to 20. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car ce n'est pas seulement notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les... must draw his strength dans la force du Seigneur. In the strength of the Lord. Dieu rend fort. God makes strong. Dieu a prévu God has planned que tous ceux qui vont croire en lui that all those who believe in, et qui vont suivre son Fils, and follow his son, il allait les fortifier. He would strengthen them. Il allait les remplir de son esprit. He would fill them with the spirit. Il y a une puissance there's a power qui entre dans un être humain that enters a human being. Dès qu'il accepte Jésus. As soon as he accepts Jesus, il y a une force qui entre en lui. There is a strength that gets into him. Si tu es là, par exemple, tu es là pour la première fois. If you are here, for example, it's not the first time. Et tu n'as pas encore cru. You are here for the first time and you have not believed yet. Et on est en train de te prêcher l'évangile. And the gospel is being preached to on you. On te demande de laisser le monde, de laisser le péché. They ask you to abandon the world and sin. Et tu as peur. And you are afraid. Tu te trompes. You are deceiving yourself. Il ne faut pas avoir peur. Do not be afraid. La force the strength pour aller loin avec Jésus to go far with Jesus n'habite pas en toi. Does not live in you, abide in you. Ça habite dans le Saint-Esprit de Dieu. It abides in the Holy Spirit of God. Si l'Esprit de Jésus entre en toi, if the Spirit of Jesus enters you, ton histoire change. Your story will change. La parole de Dieu dit the word of God says, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus, that if somebody doesn't have the Spirit of Jesus, il n'appartient pas à Jésus. It doesn't belong to Jesus. Et la parole de Dieu dit and the word of God says, si par l'Esprit, if by the Spirit, vous faites mourir les actions du corps, you make the action of the body die, vous vivrez. You shall quand le Saint-Esprit entre en toi, when the Spirit gets into you, il te donne la volonté de faire. It gives you the will to do, et il te donne le pouvoir de faire. And it also gives the power to quand le Saint-Esprit vient, when the Holy Spirit comes, il te donne, en plus de ta volonté, it gives you, in addition to your will, il te donne le pouvoir. It gives the power. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu. Many people want to serve God, mais ça se limite aux vœux. But it is confined to, the vows, aux intentions. To the intentions. Je veux faire. Je veux faire. Je veux croire. Je veux dire. I want to say. Je veux laisser l'adultère. I want to abandon adultery. Je veux laisser le mensonge. I want to abandon lie. Et ils ne laissent pas. But they don't abandon. Ils ne laissent pas. They don't abandon. Si par le Saint-Esprit, and by the Holy Spirit, tu décides, if by the Holy Spirit, de laisser le péché, you decide to abandon sin, ça va marcher. It will work. Si par l'Esprit, if by the Spirit, vous faites mourir les actions du corps, you make the action vous of the vivrez. Body die, you shall live. C'est pour cette raison que la parole dit, that's why the word says, il faut te fortifier, you must strengthen yourself, mais en puisant ta force sur la force de Dieu. But by drawing your strength from the strength of God, sur la puissance de Dieu. From the power of God, dans la parole de Dieu, in the word of God, Dieu a prévu God has planned que si quelqu'un donne la vie à Jésus, that if somebody gives his life to Jesus, il va changer le cœur de la personne. He will change the heart of that person. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. He said, I will give you a new heart. Si tu acceptes Jésus, if you accept Jesus, il te donne un cœur nouveau. He will give you a new heart. Et si tu as cru, and if you have believed, toi qui as cru, you who have believed, et qui a accepté Jésus dans ta vie, and who have accepted Jesus in your life, par la foi, by faith, tu te couches sur Jésus. You lie on Jesus. Et tu vis. And you live. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Relis. Read it again. Ores. Pour conclure. Pour conclure. To conclude. Devenez des chrétiens
forts. Devenez des chrétiens forts. Become strong Christians. Non par vous-même. Non par toi-même. Not by your own selves. Mais en puisant vos forces dans les ressources infinies. Il faut puiser ta force dans les ressources infinies de Dieu. You must draw your strength from the infinite power of God. C'est-à-dire tu déclares. That is, you declare que tu es fort. That you are strong. Lorsque le faible dit je suis fort. Let the weak say I'm strong. Quand le faible, quand Dieu dit au pauvre, when God, oh non, au faible, when God tells the weak one de dire to say qu'il est fort, that he's strong, est-ce que ça ne vous dérange pas? Does this not disturb you? Dieu qui est le Dieu de vérité. God who is the God of truth. Il est même la vérité. And he himself is truth. Il sait que tu es faible. He knows that you are weak. Il te dit. And he tells you. Dis que tu es fort. Say that you are strong. Ça ne te gêne pas, ça ne te trouble pas. Does this not trouble you? Mais c'est ça la foi. And this is faith. C'est ça la foi. This is faith. Dis je proclame. Say I proclaim. Que je suis fort. That I'm strong. Je suis fort. I'm strong. En Christ. In Christ. Je suis fort. I am strong. Hier, une jeune sœur a rendu témoignage. Yesterday, a young sister testified here. Dans le songe. In a dream. Les esprits la poursuivaient. The spirit were pursuing. Elle avait peur et fuyait. Son père aussi fuyait. She was afraid. She was running, and her husband also running. Après avoir passé le temps à fuir. And after they have been fleeing. Elle s'est dit, je fuis quoi même? And she is even. Je suis un enfant de Dieu. She thought herself, I'm a child of God. Why am I fleeing? Subitement. And suddenly, son père devient fort. His father becomes strong. Et élimine l'ennemi. Her father became strong and struck the enemy. Vous voyez? You see? Dieu voulait nous enseigner. God wanted to teach us. Parce que moi, j'écoute les témoignages avec les oreilles spirituelles. Because me, I listen to testimonies with spiritual ears. Quand tu confesses de ta bouche, when you confess from your mouth, que tu ne peux pas, that you can't, tu te fais un grand mal. You are doing a big harm to yourself. Tu confesses la mort. You are confessing death. Et au fur et à mesure que tu confesses, and as you confess, tu vas devenir ce que tu confesses. You'll become that which you confess. Écoutez, lis listen, encore. Au reste. Read again. Pour conclure. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Tu acceptes ou bien tu refuses? Do you accept or you refuse? Répondez à haute voix. Answer loudly. Dis ça à Jésus. Dis-lui que tu acceptes. Say it to Jesus. Tell him that you accept. C'est pour cette raison. That's why. Que Jésus a dit, Jesus said, sans moi, without you, vous ne pouvez rien faire. You can do nothing. Et c'est pour cette raison reason, que Paul a déclaré, that Paul declared, je puis tout I can do everything par celui qui me fortifie. By the one who strengthens you. Dis, je proclame que je suis fort. Say, I proclaim that I'm strong. Je proclame, I proclaim que mes ennemis sont vaincus. That my enemy are overcome. Je proclame, I proclaim que tous mes ennemis that sont vaincus. All my enemies are je proclame, I proclaim que les obstacles, that the obstacles sur mon chemin on my way sont brisés. Are broken. Et aujourd'hui, and today, nous allons enlever we are going to remove du chemin de chacun from the way of each one of us, tout ce qui s'appelle obstacle. All that is named obstacle. Au sens figuré comme au sens propre. In denotation or connotation. Frère, l'homme est méchant. Brethren, man is wicked. Un être humain peut décider. A human being can decide. De te rendre malheureux. To make you miserable. Il t'envoûte, il te bloque. He bewitches you and blocks you. Même la persécution. Even persecution. Est une arme du diable. Is a weapon of the devil. Pour freiner les justes. To break the righteous ones. Nous allons casser tout cela. And we are going to break all these. Vous savez, nous étions à Adjamé. You know, we were in Adjamé. Je dirigeais la prière. I was leading the prayer. En 2018. In 2018. Et je conduisais les frères. And I was leading the brethren. Et le Saint-Esprit me dit. And the Holy Spirit told me. Priez. Pray. Que s'il y a quelque part. That if somewhere. Quelqu'un qui a juré. There's somebody who has sworn. Avec imprécation. With imprecation. Ou sans imprécation. Or without imprecation. Que tant qu'il est vivant. That as long as he's alive. Vous ne serez rien. You'll be nothing.
Ça venait du Saint-Esprit. This was coming from the Holy Spirit. J'ai arrêté la prière. I stopped the prayer. J'ai partagé le sujet. And I shared the topic. Nous allons prier, nous avons prié. And we prayed. C'était mercredi. It was Wednesday. Jeudi. On Thursday, une sœur bien-aimée m'appelle. A beloved sister called me. Elle dit, pasteur. She said, pastor. Dieu a exaucé. God has answered. Et on l'a enlevé. They have removed him. Il y avait un monsieur. There was a man qui avait juré. Who has had sworn qu'elle ne paiera jamais les factures de la sœur. That she will never pay the bills of the sister. Après des prestations, parce que la sœur a une entreprise. After some services, il a dit. He said, il était le directeur financier. He was the financial director. Il frappe la porte et dit que tant que je suis là, he beats his chest and say, as long as I'm here, tu n'auras pas ton argent. You don't have your money. Ça veut dire que Dieu qui est assis sur le trône avait entendu. It means that God who is sitting on the throne heard. Et il avait trouvé un petit peuple. And he found a small people qui avait le désir et la volonté de changer les choses. He found a small group of people who had the desire and the will to change the things. Et il nous a donné le sujet. And he gave me the topic. He gave us the topic. Il savait que he knew that on avait des cœurs bien disposés pour prier comme ça. We had well-disposed heart to pray like that. Donc le lendemain après la prière, so the next day after the prayer, on a enlevé ce monsieur. That man was removed. On l'a démis. He was fired. On a placé les gendarmes devant son bureau. And they set some soldiers before his office. Le nouveau directeur financier. The new financial director a dit à la sœur, told the sister, je te paye toutes tes factures. I will pay all your bills. Un jour, one day, la sœur m'a appelé. The sister called me. Pasteur, pastor, tu es où? Where are you? On a payé. They have paid. Where are you? J'ai dit, je suis au bureau. I say I'm in my office. Je ne vous dis pas la suite. I will not tell you that what follows. On s'arrête là. We stop here. Pour dire que quoi? What to say? Un être humain. A human being. Que Dieu a créé. That God has created. Prend la place de Dieu. Take the place of God. Pour te bloquer. To block you. Parce qu'il compte sur la sorcellerie. Because he relies on witchcraft. On doit détruire tout we ça. We must destroy all this. On doit détruire tout we ça. We must destroy all this. On va même délivrer même les églises. We are going to deliver even churches. Si quelqu'un if somebody se tient sur le chemin d'une église locale, stands on the way of a local church, méchamment, with wickedness, nous sommes devant Dieu. We are before God. Pour la gloire de Dieu. For the glory of nous God. Allons l'enlever. We will remove him. Il reste à côté, on passe. He will remain aside and we pass. Personne n'a le droit. No one has the right de se comporter comme les Amalécites. To behave like Amalekites. Pour bloquer les desseins de Dieu. To block the purposes of God. Dis, je proclame que je suis fort. I proclaim that I am strong. Lis. Read. C'est dans la communion avec lui. C'est dans la communion avec lui. It is in the avec fellowship, Dieu, avec Jésus. In the fellowship with him, with God, with Jesus. Que vous trouverez votre énergie. Que vous trouverez votre énergie. That you will find your energy. Ne te sépare pas de Dieu. Do not be separated from ne God. Ne murmure pas. Do not murmur. C'est dans la communion avec lui. It is in the fellowship with him. Que se trouve ta force, ta puissance. That your strength and your power is found. Quand le diable te présente le péché. When the devil presents you sin. Quand tu es tenté. When you are tempted. Quand le diable te dit commets l'adultère, commets l'adultère. When the devil tells commet you go and commit adultery, commit adultery. Ou bien tu es venu dans l'église. Or you have come in the church. Tu étais homosexuel dans le monde. You are homosexual in the world. Maintenant, tu viens. Now you come. Tu n'as pas travaillé pour être délivré. You didn't work to be delivered. Et tu commences à chercher les frères. And you start running after the brethren. Tu seras délivré. You will be delivered. Dis amen. Amen. Tu seras délivré. You will be delivered. Parce que la force, because the strength, c'est en Jésus. Is in Jesus. Dis amen. Say amen. Il y a une prostituée. There is a prostitute. Mon patron, je travaillais encore dans la fonction publique. I was still in civil service. Elle est entrée dans mon bureau. She came into my office. Elle dit, monsieur le délégué demande que je vienne te voir. And she said that the delegate told me to come and see you. Je lui ai dit, and I told her, mon ami, my friend, je suis un pasteur. I am a pastor.
Donc, le délégué ne peut pas t'envoyer chez moi. So the delegate cannot send you to me. Mon service n'a rien à voir avec ta vie, avec ton domaine. My service has nothing to do with your domain. Mais je vais te dire la vérité. But I'm going to tell you the truth. Le délégué t'a envoyé. The delegate sent you. Parce qu'il est fatigué. Because he is weary. Il sait que si tu viens, he knows that if you come, je vais te prêcher l'évangile. I'll preach the gospel to you. Il est fatigué. He is tired. Il faut arrêter. So you must stop. Il est fatigué. He is tired. Il faut arrêter. You must stop. Elle me regardait fixement. And she set her gaze on me. Et elle m'a posé une question. And she asked me a question. Pourquoi la voix qui dit fais, fais, fais est-elle plus forte en moi? Why does the voice that tells me do, do is stronger than me? Je lui ai dit, I told her, si tu donnes ta vie à Jésus, give your life to Jesus, la voix qui dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, sera plus puissante. The voice that says don't do it, don't do it, don't do it is the most powerful. Et c'est ça la vérité. And this is the truth. On ne se débrouille pas pour servir Jésus. You don't try by yourself. On s'appuie sur la vie de Jésus. You lean on the life of Jesus. On se fortifie dans la force qui est en lui. You strengthen yourself in the strength that is in him. On maintient par une communion intime. You maintain by an intimate fellowship. Lis. Read. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre. Il y a les armes de Dieu. There are the weapons of God. Ça, il faut que tous les enfants de Dieu le sachent. All the children of God must know that. Nous sommes en guerre. We are in war. Et il y a des armes adéquates. And there are adequate weapons. Et la parole de Dieu dit, and the word of God says, de porter ces armes. That we should bear. De revêtir ces armes. We should cover ourselves with On n'y va pas avec les coups de pied, les coups those de poing. Weapons. You don't go there with blows. Continue. Continue. Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Ces armes de Dieu. These weapons of God. Ces armes que Dieu donne. These weapons given sont by God capables are able de te permettre de rester ferme. To allow you to stand fast. Si tu combats d'abord. And you fight. Et tu es dans la victoire. And you are in the victory. Donc les armes te permettent d'abord de combattre. The weapons allows you first to To fight, de vaincre, to overcome, et puis de te tenir ferme. And then to stand fast. C'est-à-dire, tu ne perds pas le combat après la bataille. That is, you don't lose tu ne perds pas battle. De terrain. You lose the battle after the fighting. Vous voyez, l'équipe de délivrance dit, il y a une sœur qui avait été délivrée. You see, the team of deliverance said that a sister was delivered. Elle avait été possédée par sa grand-mère. She had been possessed by her grandmother. Elle fut délivrée. And she was delivered. Hier. Yesterday. Elle est tombée. She fell. Quand on intercédait. While we were interceding. Et quand on jugeait les mauvais esprits. While we are judging the evil spirit. La grand-mère dit qu'elle est revenue. The grandmother said that she came back. Et je vous avais dit qu'on va commencer par chasser les esprits qui sont revenus. And I told you that we are going to start by casting out the spirits that have come back. Après la bataille, ils sont revenus. After the battle, they came back. Parce qu'elle avait laissé le péché because dans sa vie. She has allowed a sin to get in her life. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Il y a des gens qui posent des questions. Est-ce qu'un croyant peut avoir les mauvais esprits? There are people who ask questions. Can a believer have evil spirit? Moi, j'ai dit aux gens. I tell people. Je ne parle pas en théorie. I don't speak in theory. Nous avons rencontré les mauvais esprits dans la vie des sœurs et des frères. We have met we have encountered evil spirit in the life of the brethren and the sisters. Quelqu'un te dit, somebody tells you, je suis enfant de Dieu. I am a child of j'ai God. Cru. I have believed. Mais mari de nuit me dérange. But I am disturbed by the spirit husband. Tu écoutes la personne. You listen to the person. Tu discernes que la personne est humble, brisée. You discern that the person is humble and broken. Et la personne s'ouvre même. And the person even opens himself. Et elle ne te cache rien. The person hides you nothing. Et te dit, je ne vis pas dans le péché. And he tells you that I'm not living in sin. Mais mari de nuit est là. But the spirit husband is there. On chasse. We cast it out. Il est toujours là. He's still there. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Ne commets pas l'erreur de dire que tu es païenne. Do not make the mistake by telling her that she is a pagan. N'essaie pas de lui dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Do
not try to tell her that you are not a child of God. Parce qu'il va te demander. Because she'll ask you. On devient enfant de Dieu comment? How do we become child of God? N'est-ce pas en croyant que Jésus est le Fils de Dieu? Is it not by believing that Jesus is the Son of God? En le recevant dans le cœur. And by receiving him in your heart. Je l'ai fait. I've done it. Après, qu'est-ce que tu vas lui dire? And after, what are you going to tell him? Tu dois savoir. You must know. Que c'est une armée. That it is an army. Nous allons voir ça dans la suite. We will see it in that which follows. Mais retenez une chose. But you must bear something in mind. Un esprit peut revenir. A spirit can come back. Et si un croyant and if a believer te supplie begs you de le délivrer to deliver him, peut-être après 20 ans ou 25 ans de conversion, maybe after 20 or 25 years of conversion, ne commets pas l'erreur de le mépriser. Do not make the mistake to despise him. Parce que Jésus a dit, because Jesus says, quand le méchant esprit est sorti d'un homme, when the wicked spirit came out of a man, il va dans les lieux arides, it goes in the dry lands, pour trouver le repos, to find rest. S'il ne trouve pas, if he doesn't find, il dit, he says, je veux retourner dans ma maison. I will go back in my house. S'il retourne, if he goes there, et toi, qu'est-ce que toi tu fais? And you, what do you do? Si tu trouves un frère, if you find a brother qui avait été délivré, who had been delivered, et te dit j'ai encore des problèmes, and he said I'm still having I still have problems. Est-ce que tu as une solution? Do you have a solution? Vous voyez? You see? Vous voyez? You see? Il faut être sage. You must be wise. Si un enfant de Dieu, if a child of God, te dit tiens-toi avec moi. Tells you, stand with me. Il y a un esprit qui me dérange. There's a spirit that is disturbing me. Tiens-toi avec lui. Stand with him. S'il faut jeûner, jeûner. If you have to fast, fast. Et chasser l'esprit. And cast it out. Ne perdez pas le temps dans les discussions théologiques. Do not waste time in theological arguments. Au ciel, in heaven, il y aura une fête. There will be a feast. Il y aura des rencontres spéciales. There will be special meetings, encounters. Oh, merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir délivré. Oh, thank you to have delivered me. Oh, le combat était dur. On va causer là-bas. On cause. C'est la vie est réelle. We speak there. It's real life. Alléluia. Praise the Lord. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Lis. Read. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Le combat, ce n'est pas à nous, ce n'est pas seulement contre nos membres, nos pieds, nos mains et nos bouches. The battle is not only against our members, our limbs, our hands and our mouths. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais le combat, the battle, frère bien-aimé, beloved brethren, vous voyez là où nous sommes. You see where we are. On appelle ici Atiekwa. This place is called Atiekwa. Le combat, the battle, n'est pas contre les êtres humains seulement. Il n'a pas dit que les êtres humains ne sont pas dedans. It's not only against human beings. He didn't say relis. Human beings are not in it. Read it again. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels. Ça veut dire que notre nature terrestre est dans ce combat-là. It means that our earthly nature is in a battle here. Les ennemis, les êtres humains mortels comme toi, sont dans ce combat-là. The mortal human beings like you are in that battle. Dans Ephésiens, in Ephesians, chapitre 2, chapter 2, il est dit it que said, nous suivions le train du monde. That we used to follow the streams of the world. Et que nous suivions le prince de la puissance de l'air. And that we used to follow the prince of the power of the air. Et que nous suivions la volonté de notre pensée et de notre chair. And that we used to follow the will of our thought and our flesh. Il y a donc combat au dehors et combat au dedans. So there is battle outside, battle inside. Combat au dehors. Battle outside. Combat à l'intérieur. Battle inside. Et l'apôtre Pierre dit, and l'apôtre Peter says, bien aimé, nous sommes des pèlerins. Beloved brethren, we are pilgrims. Nous sommes des voyageurs. We are travelers. Passagers. And the passengers. Sur la terre des hommes. On the earth of men. Il dit, he says, vous devez faire attention. You must pay attention. Veillez sur vous-même. Watch over yourself. Contre les convoitises charnelles. Against the carnal lust. Qui font la guerre à l'âme. That war against the soul. Quand les pensées remplissent son esprit. When
the thoughts fills his mind. Toi, tu te masturbais, tu as abandonné ça. You used to masturbate yourself, you have abandoned that. Après, ça remplit tes pensées. And after it fills your thoughts. Va te masturber. Go and masturbate yourself. C'est une guerre. It is a war. Dans l'intérieur de toi-même. Inside yourself. Il faut dire non. You must say no. Faut pas s'amuser. Don't joke. Dans cette bataille. In this battle. Ta chair est dedans. Your flesh is in it. Tes pensées sont dedans. Your thoughts are in it. La pensée dit va tomber, meurs. Va tomber dans l'eau, tu meurs. The thought tells you go and fall and die. Une pensée te dit tu es très sage, tu dépasses tout le monde. A thought tells you that you are very wise, you are above everybody. Que sans toi, that without you, personne ne peut vivre. Nothing, nobody can live. Ça produit l'orgueil. This produces pride. Il y a dans le diable, so there is the devil, le monde, there is the world, et ta chair, and your flesh, engagé contre toi, engaged against you, dans une bataille, in a battle. D'où te viendra la force? Where would you receive the strength? En Dieu, in God, et dans ses armes, and in his weapons. Lis. Read. Mais contre les puissances occultes. Il y a les sorciers dedans. There are sorcerers in it. Les puissances occultes. Occult powers. Contre une organisation spirituelle satanique. Vous savez, nous avons les églises, nous sommes contents. L'église. Le diable aussi en a. You know, we have churches, we are happy. Bien organisé. The devil also possesses these. They are well organized. La version aussi l'appelle l'organisation satanique relie. This version calls this satanic organization. Contre une organisation spirituelle satanique. Contre, tu es assis là, tu crois que tu n'es pas important aux yeux de Dieu. You are sitting there, you think that you are not important in the eyes of God. Mais le diable lui connaît ta vraie valeur. But the devil knows your genuine value. Il envoie une organisation satanique. He sends a satanic organization. Il envoie les sectes, les maîtres de sectes. He sends the masters of the sects. Les sectes universel comme les sectes traditionnelles. One of the sects, like traditional sects. Certains d'entre vous ont dans leur village la sorcellerie est bien organisée. Some of you in their villages, sorcery, witchcraft is well organized. Avec des heures pour initier avec des interdictions. With interdictions and hours to. Avec des rites. With rites, hours to organize and avec rituals, des initiations. And with initiations. Avec des chants, des danses aussi. With songs and dances. Avec des libations. And with water pouring. Tout ce que l'Église fait, ils font. What all that the church does, they do it also. Et ils t'attaquent. And they attack you. Lis. Read. Contre les dictateurs invisibles. Il y a les dictateurs invisibles. There are invisible dictators. Il y a des puissances. There are powers. Qui veulent que tu marches. That want you to walk. Pour la gloire du diable. For the glory of the devil. Ils contrôlent ton langage. They control your language. Il y a certaines personnes. There are some people. Tu peux te demander, mais pourquoi ils parlent comme ça? You can ask yourself, why does he speak like that? Ne t'étonne pas. Do not be astonished. Il y a une organisation satanique. There is a satanic organization. Qui veut contrôler l'être humain. Which wants to rule over the human being. Et certains sont déjà contrôlés. And some are already controlled. C'est pour ça que tu vas trouver les gens qui couchent avec les animaux. This is why you can find people who lie with animals. Qui marchent nus. And they walk naked. Pas qu'ils sont fous. C'est-à-dire on les appelle les nudistes. Que c'est comme ça. Not that they are mad, but that's the way they do. Read. Qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde. Il y a les puissances des ténèbres. There are powers of darkness. Qui veulent contrôler le monde. Who wants to control the world. Pour que dans tous les coins. So that everywhere. Il y ait des abominations. There will be abominations. Il y ait des luttes, des violences. And fights and violences. Tu peux trouver deux frères. You can find two brethren. Même père, même mère. Same father, same mother. Qui se querellent. Who quarrel. Ils ramassent les machettes et les lances. They take spears and machetes. Tu crois qu'ils s'amusent. You think they are joking. Ils se blessent. But they hurt themselves. Violemment. Violently. Il y a une puissance occulte qui contrôle. There is a dark power that controls. Lis.
Read. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Il y a le monde surnaturel. There is the supernatural world. Les choses ne s'arrêtent pas comme tu vois. The things that do not stop as you see. Il y a d'autres réalités invisibles. There are other invisible si realities. On te donne les yeux spirituels, if you are given spiritual eyes, tu vas voir d'autres choses. You will see other things. Tu vas voir que derrière les hommes, you will see that behind men, il y a les démons puissants. There are powerful demons. Ils utilisent ces hommes. They use those men. Certains sont dans les eaux. Some are in the waters. Il y en a qui sont dans les abîmes. Others are in the abyss. Il y en a qui sont dans les montagnes. Others are in the on the mountains. Il y en a qui sont sous les racines des arbres. Some are under the roots of the trees. Il y en a qui sont dans les lieux arides. Others are in the wilderness. Il y en a qui sont dans le séjour des morts. And others are in Hades. Il y en a qui sont dans les rochers. And others are in the rocks. Il y en a qui sont sous la terre. Others are beneath the earth. Il y en a qui earth. Sont dans les lieux célestes. Others are in heavenly realms. C'est ça qu'il appelle les sphères spirituelles, surnaturelles. This is what you call the supernatural spiritual sphere. Toi, tu es là, tu penses que le monde est comme tu vois. You are there, you think that the world is like you see. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Si une femme te dit, if a woman tells you, j'ai rêvé, I have dreamt, qu'un esprit est venu se coucher entre moi et mon mari, that a spirit came to lie between me and my husband, il ne faut pas lui dire que non, ça ce n'est rien. Do not tell him that no, this is nothing. Il y a des démons. There are demons. Qui quitte les ténèbres that leave darkness pour venir discuter le monde avec les hommes. To come and discuss the world with men. Tu te maries. You get married. Il dit que tu as épousé sa femme. And he says that you have married his wife. C'est des esprits. They are spirits. Certains sont morts. Some are dead. Ce sont des esprits des hommes morts. It's the spirit of people who are dead. D'autres sont des esprits des démons, des esprits impurs. Others are unclean spirit or spirit of demons. Ça peut être des serpents, des reptiles. There can be reptiles and snakes. Qui deviennent des époux des femmes. Which becomes the husbands of women. Tu conçois la grossesse. You conceive the enlever. Pregnancy and they come to remove it. Tu conçois. You conceive. Ils viennent enlever. They come and remove it. C'est leur travail. It's their work. Et puis un autre vient te dire, va chez le marabout. And then another comes and tell you, go to the witch doctor. Le diable t'attaque. The devil attacks you. Et ses évangélistes t'envoient chez les marabouts. And his evangelists send you to the witch doctor. Tu es béni. You are tu es béni. You are blessed. Tu es béni. You are blessed. Lis. Véritables agents du quartier général du mal. Il y a le quartier général. Nous voici notre quartier général, l'église de Côte d'Ivoire. The Church of Côte d'Ivoire. Here is our general headquarters. Les sorciers ont leur quartier général. Sorcerers also have their general headquarters. Ils planifient le mal. They plan evil. Dans leur quartier général. In the general headquarters. Ils planifient le mal. They plan evil. Ils planifient contre les enfants de Dieu. They plan against the children of God. Ils planifient contre ceux qui aiment Dieu. They plan against those who love God. Ils planifient contre l'œuvre de Dieu. They plan against the work of God. Ils planifient contre les rencontres. They plan against meetings. Il dit, il ne faut pas qu'ils se rencontrent. They say that they must not meet. Il te dit, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. And he tells you, don't go there, don't go there. Les principautés n'existent pas. Principalities do not exist. Ne va pas là-bas. Do not go there. Il sera rendu témoignage ici. A sister testified here. Une voix lui disait, ne va pas. A voice told her, don't go. Elle est venue. She came. Qu'est-ce qu'elle découvre? What does les she démons discover? Étaient dedans. The demons were in it. Les gens qui luttent contre le ministère du renversement des principautés. Those who fight against the ministry of overthrow of principalities. Ils doivent faire attention. They must pay attention. Si tu luttes contre un homme. If you fight against a man. Dieu peut te sauver. God can save you. Si tu luttes contre Dieu, but if you fight against God, tu te crées des problèmes. You are creating troubles to yourself. Et il y a un prophète. Il y a un prophète. There's a prophet. Qui m'avait dit. Who told me? Je pense que c'était en 98. I think it is in 1998. Qu'il est sorcier. That is a sorcerer. Et depuis son enfance, that from his childhood, il lisait les livres magiques. He was reading magic books. Il me dit qu'un jour, he told me that one il a tué une jeune fille. He killed a young girl. Parce qu'elle s'était mal comportée. Because she didn't behave well.
Elle me dit, il m'a dit, he told me, viens. Quand? Je vais te donner mon église qui est à Benoît. I will give you my church here in Benoît. Je ne vais plus diriger. I will no longer lead it. Je lui ai dit, I told him, je peux accepter. I can je peux accepter. I can accept. Pourvu que tu ailles leur dire que tu es sorcier, que tu te repens, et puis tu me donnes l'église. Provided you go to tell them that you are a sorcerer and you repent yourself and you give me the church. Il a dit, he said, je ne peux pas le faire. I cannot do it. Je ne peux pas le faire. I cannot do it. Je lui ai dit, I told him, donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Je veux briser tes liens. I will break your ties. Il m'a dit, he told me, si tu brises mes liens, if you break my evil ties, ma puissance va finir. The power will finish. Il a dit la vérité. He said the truth. Je ne lui ai rien demandé. I didn't ask him anything. C'est Dieu qui travaille. It's God who works. Pour que je ne sois pas ignorant. For me not to be ignorant. C'est Dieu qui travaille. It's God who works. Et ce qu'il m'a dit, and that which he taught me, vaut un livre. It worths a book. Ça te permet de croire même au brisement des liens. It allows you to even believe in the breaking of evil ties. Effectivement, le brisement des liens met fin à la sorcellerie. Effectively, the breaking of evil ties puts an end to witchcraft. Tu es un sorcier. You are a sorcerer. Tu donnes la vie à Jésus. Give your life to Jesus. On brise tes liens. Break your evil ties. Tu ne peux plus sortir. You can no longer come out. Si tu sors, you get out, on reprend. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. We will take it again because it means that something didn't work. Même si on doit prier pour toi 1000 fois. Even if you have to pray for them, un for jour, you 1000 times, one day, tu vas dire que finalement tu es délivré. You say that finally you are delivered. Donc ne cache pas. So do not hide. Ne te décourage pas. Do not be discouraged. Dis la vérité. Say the truth. Ne viens pas t'asseoir tranquille. Tu dis ils vont prophétiser sur moi. Je vais voir. Do not come and sit there quiet and say that they will prophesy on me and I will la see. La vraie délivrance. Genuine deliverance. Ne viens pas quand les gens te désignent comme sorcier. Does not come when people distinguish you. They distinguish you as a sorcerer. La vraie délivrance. Genuine deliverance. Vient quand tu exposes la sorcellerie. Comes when you expose witchcraft. Toi-même. You yourself. Tu seras délivré. You will be delivered. Lis. Read. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine. Cela demande que tu sois bien armé. This requires you to be well armed. Les armes de Dieu. The arms of the weapons of God. Afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre. Afin de pouvoir tenir bon. In order to stand. Au jour de la tentation. In the day of the temptation. Au jour de l'épreuve. On the day of the trial. Au jour de la contradiction. On the day of contradiction. Au jour on the day de la persécution, of persecution, au jour on the day du mensonge of lying, et des faux témoignages contre toi, and false testimony against you, tu tiendras ferme. You shall stand firm. Ferme. Firm. Lis. Read. Et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Voilà. Si tu utilises ces armes, if you use those weapons, comme Dieu te les recommande, as God recommends you, tu vas tout surmonter, you will overcome everything, et tu resteras maître, and you will remain the master, maître master de la situation. Of the situation. Dieu a dit à Israël, God told Israel, tes ennemis your enemies, te feront défaut. You will no longer see them, your enemies. C'est-à-dire que tu vas chercher même la lutte. Tu dis, je veux lutter, je veux me battre. Tu n'auras pas d'adversaire. It means that you will even seek your enemy in order to fight, but you will not see him. Ils ont fui. They have fled. Ça va t'arriver. This will happen to you. Ça va t'arriver. This will happen to you. Israël a beaucoup souffert en Égypte. Israel suffered a lot in Egypt. Mais but il y a eu un jour, there came a day, où les Égyptiens leur disaient, when the Egyptians told partez them, maintenant, go, go partez, now, go, go, partez, go, depart, partez. Go now. Pourquoi? Why? Parce que Dieu frappait l'Égypte. Because God was striking them. Dieu va frapper tes ennemis. God will strike your enemies.
Vous allez entendre, je m'en vais. Vous allez entendre ça. You will hear, I'm going. You'll hear that. Ce que les autres disent qu'ils ont entendu là. That which the others say that they have heard. Toi aussi tu vas entendre ça. You also will hear that. Que l'esprit sort de toi. That a spirit comes out of you. En te disant, je m'en vais. Saying, I'm going. Ça va t'arriver. This will happen to you. Read. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture. Voilà les armes de Dieu. These are the weapons of God. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Vis dans la vérité. Live in truth. Continue. Read. Continue. Et la droiture devant Dieu. Vis dans la droiture. Vis dans la justice. Live in righteousness and justice. Et les hommes, votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile. Le zèle. Zeal. Pour faire l'œuvre de Dieu. To do the work of God. Prêcher l'Évangile. Preach the gospel. Si tu es nouveau, if you are a newcomer, tu rends témoignage. Testify. Tu dis ce que Jésus a fait pour toi. Say what Jesus did for you. Continue. Pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. You must announce the good news. On ne doit pas t'en empêcher. We must not stop you from doing. Tu dois crier la bonne nouvelle. You must cry the good news. Et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Toujours prêts à prêcher. Always ready to preach. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi. Comme d'un bouclier contre lequel. Soyez des hommes de foi. Be men of faith. Exemple. Example. Dis je crois. Say I believe. Que je suis enfant de Dieu. That I'm a child of God. Qui est sûr qu'il a dit la vérité? Who are you sure that he has said the truth? Tu as la foi. You have faith. Tu as gagné. You have won. Ne néglige pas la foi. Do not neglect faith. Crois que tu es enfant de Dieu. Believe that you are a child of God. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Ne permets pas qu'on te séduise. Do not let yourself be seduced. Il n'y a pas un concours pour devenir enfant de Dieu. There is no contest to become a child of God. Tu crois. You just believe. Que la promesse de Dieu. That the promise of God. A été accomplie en Jésus Christ. Has been accomplished in Jesus. Que c'est lui. That he is the one qui est le Christ de Dieu, who is the Christ of God, le Fils de Dieu, the Son of God, le Fils du Dieu vivant, the Son of the living God, et le Christ de Dieu vivant, and the Christ of the living God. C'est-à-dire quand tout ce qui concerne le salut, that is all that concerns salvation, c'est Jésus qui détient tout le pouvoir. It's Jesus that has all the power, that possesses all the power. Sans lui, without him, tu es perdu. You are lost. Ne te cache pas sous le chapelet, tu dis j'aime Marie. Si tu n'aimes pas Jésus, tu es perdu. Do not hide yourself behind the rosary saying that I love Mary. If you don't love Jesus, you are lost. Si l'esprit de Jésus n'est pas en toi. If the spirit of Jesus is not in you. À cause de tous tes péchés, tes mensonges, ton hypocrisie. Because of all your sins of lying and hypocrisy. Et tu allumes les bougies. And you light candles. Tu es hypocrite. You are hypocrite. Hypocrite. Dieu veut ton cœur. God wants your heart. Et toi, tu lui donnes les bougies. And you give him candles. Dieu veut ton cœur. God wants your heart. La parole de Dieu dit. The word of God says. L'heure vient. The time will come. Et elle est déjà venue. And it has already come. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. When the true worshipper will worship God in spirit and in truth. C'est une arme de Dieu. It's a weapon of God. La foi en Dieu. Faith in God. Lis. Read. Contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Continue. Prenez le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. La parole et les promesses de Dieu. The word and the promises of God. Te protège la pensée et la tête. Protect the thoughts of your mind. Ne les néglige pas. Do not neglect them. Casque du salut. The helmet of salvation. Et l'épée de l'esprit. And the sword of the spirit. La parole de Dieu. The word of God. Continue. Continue. Demeurez en communion avec l'esprit
par une prière persévérante. Vous savez, you know, les frères, the brethren, doivent prier les uns pour les autres. Must pray the ones for the others. Pendant qu'on préparait la cette croisade, while we are preparing this crusade, le Seigneur nous a demandé, the Lord required us, de prier pour les églises locales. To pray for the local churches. Pas pour le corps de Christ. Not for the body of Christ. Le corps de Christ n'a pas de problème. The body of Christ has no trouble, no problem. Le corps de Christ est spirituel. The body of Christ is spiritual. Mais les églises locales, but the local churches, sont des représentations visibles du corps de Christ. Are the visible representations of the body of Christ. Et le Seigneur nous a fait comprendre, and the Lord made us understand, que ce sont des familles, that they are families, des familles spirituelles, spiritual families. Les églises locales, the local churches, sont des familles spirituelles, are spiritual families. Et le Seigneur nous a fait comprendre, and the Lord made us understand, que de même que le péché peut bloquer les familles, that our sin can block families, comme nous sommes en train de jeûner, as we are fasting, et prier, and praying, pour que Dieu enlève la malédiction, for God to remove curse. Il y a des malédictions qui peuvent te suivre. There are curses that can follow you. Parce que tu adores Dieu dans une mauvaise église locale. Because you are worshiping God in a bad local church. Où les gens murmurent, commettent l'adultère, volent. Where people murmur, they commit adultery and they steal. Vous ne pouvez pas grandir. You cannot grow. Et il y a des jugements qui peuvent s'en suivre. And there are judgments that can result in judgment. Tout à l'heure, on va demander à Dieu de pardonner. In a while, we are going to ask God to forgive. Ce que les gens pratiquent dans les églises locales. All that people brethren practice. Qui peut bloquer le ciel. That can block heaven. Que les promesses que Dieu a déclarées ne viennent pas définitives. That the promises of God do not come true in the lives of the brethren. Et le Seigneur nous a ouvert l'esprit pour comprendre le péché d'Acan. And the Lord opened our mind to understand the sin of Achan. Achan a péché. Achan sinned. Mais Israël a perdu la bataille. And Israel lost the battle. Le comportement des individus, the behavior of the individuals, impacte les autres. Can have an impact on the others. Les frères de Corinthe étaient désordonnés. The brethren of Corinth were disordered. Ils commettaient la gloutonnerie, mangeaient lors des Saint-Cène. They were committing the sin of gluttony, and they were eating et ne partageaient pas avec les pauvres. The breaking of the bread, and they did not share with the poor. Ils buvaient et ils saoulaient. And they were drinking and become drunk. L'apôtre Paul leur dit, Apôtre Paul said, à cause de votre vie, because of your lives, plusieurs personnes sont déjà mortes. Many are already dead. Et les autres sont malades. And the others are sick. Quand nous allons prier, when we pray, il y a certaines catégories de maladies qui vont partir. There are some categories of disease that will go. Dieu va avoir pitié de nous. God will have mercy on us. Soyons humbles. Let us be humble. Dieu va nous bénir. God will bless us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous allons commencer la prière. We are going to start the prayer. Mais avant de prier, but before we pray, il faut que ceux qui veulent abandonner le péché viennent, on prie pour eux. We need, I mean, those who want to abandon sin need to come. Si tu as décidé, if you have decided, de laisser le péché, to abandon sin, l'adultère, la fornication, adultery, fornication, déterminé, determined, comme je viens d'expliquer, as I've just explained, même si tu es le seul, even if you are the only one, qui veut le faire, who wants to do it, lève ta main comme ça, raise your hand like that. Lève ta main, tous ceux qui veulent se donner à Jésus, levez les mains. All those who want to give their life to Jesus, raise your hands. Acclamez. Let us clap. Maintenant, levez-vous et venez. Now stand up and come. Venez rapidement. Come speedily. Venez rapidement. Come quickly. La bataille a commencé. The battle has started. Ah, prenez vos sacs, venez avec. Si tu as le sac, prends le sac. If you have a bag, take it and come. Oui, acclamez plus fort que yes, ça. Yes, clap louder. Lève-toi et viens. Stand up and come. Jésus-Christ appelle. Jesus is calling you.
Nous allons détruire les œuvres du quartier général du diable. We are going to destroy the works of the general headquarters of the devil. Venez, 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 venez. Come, come, come. Venez, 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 venez. Come, come, come. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Ça demande un encouragement spécial. This requires a special encouragement. Venez, venez, venez. Come, come, come. Si tu veux donner ta vie à Jésus, if you want to give your life to Jesus, si tu veux sortir des ténèbres, if you want to come out from darkness, lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu veux abandonner, if you want to abandon, le quartier général du diable, the general headquarters of the devil, lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Si tu veux abandonner le péché, if you want to abandon sin, avec la force qui est en Dieu, with the strength that is in God, lève-toi, tu viens. Come, stand up and come. Sans te débrouiller, without trying by yourself, dans la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, but in the fullness of the power of the Holy Spirit, lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es rétrograde, if you are a backslider, tu étais en Christ, you used to be in Christ, tu es tombé, you are fallen, lève-toi. Stand up. Reviens, reviens, reviens. And come back, come back, come back. Reviens, reviens, reviens. Come back, come back. Dans 5 minutes, je vais arrêter. Within 5 minutes, I will stop. Si tu veux venir, viens vite. If you want to come, come quickly. Oui. Yes. Qui autre? Who else? Si le diable t'a collé sur la chaise. If the devil has stuck you on the chair. Je t'arrache de ses mains. Has snatched you from his hands. Je t'arrache de ses mains. Has snatched you from his hands. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Je t'arrache de ses mains. Has snatched you from his hands. Je t'arrache de ses mains. Has snatched you from his hands. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus. Je t'arrache de ses mains. I snatch you from his hands. Lève-toi et viens. Stand up and come. Je t'arrache de ses mains. I snatch you from his hands. Je brise l'alliance. I break the covenant. Je brise le pacte. I break the covenant. Je t'arrache de ses mains. I snatch you from his hands. Lève-toi et viens. Stand up and come. Il reste 4 minutes. 4 minutes left. La parole de Dieu dit. The word of God says. Et c'est le Seigneur qui parle. It's the Lord who speaks. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. He said, I stand at the door and I knock. Si quelqu'un entend ma voix, if somebody hears my voice, et ouvre la porte, and opens the door, j'entrerai chez lui. I will get je souperai avec lui. And I will et lui avec moi. And he is, he, je souperai avec lui. I will dine with him, et lui avec moi. And he with me. Le Seigneur va entrer chez toi. The Lord will enter your house. Il va s'asseoir avec toi à ta table. He will sit down with you at the table. Il y aura une grande communion entre vous. And there will be a great fellowship between et il va te bénir. And will bless you. Il va te bénir. He will bless you. Dans ta maison. In your house. C'est-à-dire dans ton cœur. That is in your heart. Donne-lui ta vie. Give him your life. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come.
Si tu es dans une dénomination, if you are in a denomination, tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu. You are convinced you are a child of God. Mais le Seigneur te dit, but the Lord tells you, intègre la CMCI. Get into CMFI. Si tu entends cette voix, if you hear that voice, que le Saint-Esprit te dit, that the Holy Spirit tells you, il faut aller à la CMCI. Go to CMFI. Ils vont te bâtir. They will build you up. Lève la main. Raise your hand. Est-ce qu'il y a une main levée? Is there a hand up? Où es-tu? Where are you? Nous allons prier. We are going to pray. Levez vos mains. Raise your hands. Répétez après moi. Repeat after me. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Tu m'aimes. You love me. Je sais que tu m'aimes. I know that you love me. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. I believe that you died on the cross for me. C'est pour moi. It's for me que tu es mort à la croix. That you died on the cross. C'est pour moi. It's for me que tu t'es donné à la croix. That you gave your life on the cross. Oh, si. I also. Je te confesse mon amour. I confess my love to you. Je t'aime. I love you. Et je te donne ma vie. And I give you my life. Je t'aime. I love you. Je te donne mon cœur. I give you my heart. Avec supplication. With supplication. Je te supplie de pardonner tous mes péchés. I beg you to forgive all my sins. Et de m'accepter. And to accept me. De pardonner ce que j'ai fait en pensée. To forgive what I've done in sin. Pardonner ce que j'ai fait en parole. In thought and forgive what I did in word. De pardonner. To forgive. Tout ce que j'ai fait en action. All that I did in action. Pardonner. Seigneur, the Lord, je suis malade. I am sick. Je viens étant malade. I'm coming here being sick. Je viens étant fatigué. I'm coming being tired. Oh Jésus, oh Jesus, je viens I come étant malade, being sick, fatigué, being tired, malade, sick, fatigué, tired, malade, sick, fatigué, tired. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Tu peux me guérir. You can heal me. Tu peux me guérir. You can heal me. Je le crois. I believe it. Je le crois. I believe it. Je le sais. I know it. Go to Bakasaka, Bakasaka, Rakabakasaka, Rabakasaka, Rabaka, Urabakasa, Rabakasaka, Bakasaka, Bakarabakasa, Urabakasaka, Bakasaka, Bakasaka, Bakarakasa, Urabakasaka, Rabakasaka. Va-t'en vite! Pardonne-moi. Je suis malade. Yeah, I'm sick. Forgive me. Malade à la tête, malade au cou, sick. Malade au dos, malade au pied, malade au ventre. Oh Seigneur! Oh Lord! J'ai mal partout. Sauve-moi. Save me. De toutes ces maladies. From all these diseases. Merci Seigneur. Thank you Lord. Asseyez-vous. Si vous derrière, regardez derrière les chaises. Look behind, there are chairs there. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus.
Tenons-nous debout. Let us stand up. C'est en ordre. Dieu aime l'ordre. Set it in order. God loves the order. Les démons aiment le désordre. Demons love disorder. Sit down. Vérifiez si tout le monde est à sa place. Okay, tenons-nous debout. Okay, now let us stand up. Très bien-aimé. Beloved brethren. Tu dois faire des progrès. You must make progress. Tu dois faire des progrès. You must make progress. Lis 1 Samuel 15, verset 1 à 2. Read 1 Samuel 15, from verse 1 to 2. Samuel 15, verset 1 à 2. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 15. Non, continue. Qu'est-ce qu'il doit faire à Amalek? Continue. Va maintenant. Va maintenant. Go now. Frappe Amalek. Frappe Amalek. Strike Amalek. Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes. Amen. Suivant anglais. 1 Samuel chapter 15, verse 1 to 3. Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will punish Amalekites for what they did to Israel when they were waylaid them as they came up from Egypt. Now go. Attack the Amalekites and totally destroy them. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Les Amalécites avaient barré la voie à Israël. The Amalekites stood in the way of Israel. Et c'était un grand péché. And this is a big sin. Avant de lever ce sujet de prière là. Before we raise this prayer topic. Rassure-toi. Make sure. Que tu n'as pas bloqué quelqu'un. That you have not blocked anybody. Par exemple, for example, quelqu'un veut se marier. Somebody wants to get married. Tu es dirigeant. You are a leader. Tu lui dis, tant que toi tu es dirigeant, ce mariage-là n'aura pas lieu. You tell him, as long as you are a leader, that marriage will not take place. Il y a des péchés qui sont des abus d'autorité, des excès d'autorité sur les âmes. There are sins which are excess of authority over the souls. Ça peut être sur ta servante, sur ton chauffeur. It can be on your maid servant, on your driver. Ça peut être sur ton épouse. It can be on your wife. Tu l'écrases. You crush her. Tu dis toi. You tell her you. Tu ne travailleras point. You shall never work. C'est moi ton chef. I am your chief. Ton corps m'appartient. Your body is mine. Donc, si tu es dans un tel péché, un tel piège, if you're in such a trap,
Tu demandes d'abord pardon à Dieu. First of all, ask God to forgive you. Si tu ne demandes pas pardon, if you don't ask God to forgive you, la prière va s'accomplir contre toi. The prayer will be accomplished against you. Parce que nous allons prier que s'il y a un obstacle humain ou spirituel, matériel, we are going to pray that if there is an obstacle, a human, material or spiritual obstacle, nous allons enlever, we remove, et déposer loin de nous, and set it far away. Et nous allons passer, and we will pass by. Nous allons passer. We'll pass by. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lève tes deux mains. Raise your two hands. Dis, je libère tout le monde. So, say, Lord, I release everybody. Dis, Seigneur, tu connais mon cœur. You know, you say, Lord, you know my heart. Je libère tout le monde. I release everybody. Vous savez, Dieu est Dieu. Il voit. Il sait que tu dis la vérité. You see, God, he knows. He knows that you are telling the truth. He sees. Si tu enseignes, if you are a teacher, ne dis pas je vais distribuer les mauvaises notes aux élèves. Do not say that I'm going to give bad marks to the students. Ils vont voir. They will see. Si tu es un ancien, if you are an elder, ne dis pas à quelqu'un, do not tell somebody, je verrai comment tu feras pour devenir ancien. I will see how you'll do to become an elder. Tu vas me rencontrer. You will meet me. Je suis là. I'm there. Et tu dis la vérité. And you are saying the truth. Parce qu'il ne peut rien. Because he can do nothing. Sans toi. Without you. Tu peux rendre un bon témoignage. You can bear a good testimony. Et tu peux rendre un mauvais témoignage. Or you can bear bad witness. Il y a des parents qui disent aux enfants, je ne te paye pas les études. There are parents who tell the children, I will not pay your school fees. Je veux voir ce que tu vas faire. And I will see what you'll do. Lève tes mains. Raise your hands. Dis, Seigneur, je libère tout le monde. So, say, Lord, I release everybody. Qu'ils progressent. Let them make progress. Qu'ils deviennent grands. Let them become great. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Maintenant, now, face à l'ennemi. In front of the enemy. Maintenant, nous sommes face à l'ennemi. We are now facing the enemy. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je proclame. I proclaim que l'homme n'est pas Dieu. That man is not God. Et si tu es une personne à qui on a dit ça directement, if you are a person to whom they said this directly, pour les autres, ils ne savent pas si quelqu'un a dit ça. For the others, they don't know if somebody said that. Mais toi, tu sais que telle personne m'avait dit, tu ne seras rien sans moi. But you know that such a person said that you will be nothing without me. Là, tu vas dire son nom. In this case, you tell his name. Tu vas dire, tel n'est pas Dieu. You will mention his name, saying that such a person is not God. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que l'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas man Dieu. Man is not God. Man is not God. L'homme n'est pas Dieu. Man is not God. Je proclame. I proclaim. Que l'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu. Man is not God. Je proclame. I proclaim. Que telle personne, that such a person, tu dis son nom, son nom, son nom, son nom, son nom. Non, n'est pas Dieu, n'est pas Dieu, n'est pas Dieu. He's not God. He's not God. He's not God. Dieu au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Je l'enlève de mon chemin. I remove him from my way. Je l'enlève de mon chemin. I remove him from my way. Je l'enlève de mon chemin. I remove him from my way. Et je passe. And I pass by. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Maintenant tu dis, now you say, Seigneur, Lord, si quelqu'un, if somebody, a juré, have sworn, avec ou sans imprécation, with or without imprecation, que tant qu'il est là, quand, that as long as he's there, je ne peux rien devenir, I can become nothing, je prie, I pray,
au nom de Jésus, je l'enlève de mon chemin. Je l'enlève de mon chemin. Je l'enlève de mon chemin. Au nom de Jésus, toute personne, toute personne, toute personne qui a juré, qui a juré avec ou sans imprécation, que tant qu'elle est là, tant qu'elle est vivante, je ne peux rien devenir, que je ne peux rien devenir, je l'enlève de mon chemin. Lève ta main droite. Dis, nous venons au secours de tout frère, de tout frère et de toute personne qui vient trouver son refuge en Jésus. Nous venons au secours de tout frère ou de toute personne qui vient trouver son refuge en Jésus. Et d'un commun accord, nous enlevons du chemin de chacun. Toute personne, toute personne, tout être humain vivant qui a juré avec ou sans imprécation que tant qu'il est vivant, nous n'aurons aucun progrès, aucune promotion, aucun bonheur, aucun emploi, aucun mariage. Nous mettons fin à l'esclavage. Nous brisons le joug de la méchanceté. Nous cassons tout. Nous cassons tout. Nous jugeons ces paroles. Nous déracinons chacune de ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Si la personne est déjà morte, nous jugeons son esprit de mort. Nous le renvoyons dans le séjour de mort. Qu'il soit condamné dans le séjour de mort jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Continue à prier avec violence. Libère-toi du joug de méchants. Libère-toi du joug de méchants. Lève ta main droite. Raise your right hand. Lève ta main droite. Raise your right Dis hand. Au nom de Jésus. The name of Jesus. Si c'est une colline ou une montagne qu'on a placée devant moi. That has been set before si me. C'est une montagne ou une colline qu'on a placée devant moi. Before je déclare qu'elle est déracinée. That it is unrooted. Que cette montagne soit déracinée. That this mountain be uprooted. Que cette montagne soit déracinée. That this mountain be déracinée. Digger. Déracinée. Digger. Déracinée. Digger. Déraciné, déraciné, et que je passe victorieusement, victorieusement, et je passe victorieusement, 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 victorieusement. Orabakas, prions en langue. Orabakas, erabakas, orabakas, erabakas, orabakas, erabakas, orabakas, erabakas, erabakas. Urabaka se rebaka sakabaka, urabaka rebako dere malta masena, erebaka se teke rebalta, uriabaka se beka sikarambasoni, yebaka reka, urabaka reka, urabaka reka. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis s'il y a une femme dans cette foule. Say if there is a woman in this crowd. S'il y a une femme dans cette foule. If there is a woman in this crowd. Ou quelque part. Or somewhere else. Unie avec nous dans la prière. United with us in the prayer. Si on a envoûté une telle femme. If they have bewitched such a woman. Si quelqu'un l'a envoûté. If somebody has bewitched en disant her, tu n'auras point d'enfant. Saying that you'll have nous no child. Nous frappons. We strike. Nous jugeons cette parole. Nous saisissons cet esprit. Nous l'enlevons de son chemin. Nous arrachons l'utérus. Nous arrachons l'utérus. Nous restituons, nous rétrocédons l'utérus. Nous remettons l'utérus saint, saint, saint. Et l'utérus sans maladie, sans maladie. Nous jugeons les œuvres des sorciers qui ont juré. Écoute. Listen. Nous jugeons toute puissance qui a dit que tu n'auras pas d'enfant. We judge every power which said that you don't have. Nous l'anéantissons au nom de Jésus. We bring it to nothing in the name nous of jugeons we judge et nous anéantissons. And we bring to nous libérons tes entrailles.
Nous libérons tes entrailles. Prions en langue. Nous libérons tes entrailles. 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 Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a une femme ou un homme dans cette foule à qui on a dit, tu n'auras aucun diplôme. Tu n'auras aucun diplôme. Ou si tu as le diplôme. Si quelqu'un dit tu ne travailleras point, nous jugeons ces paroles. Nous sortons tes dossiers des armoires. Nous sortons tes dossiers de là où ils ont été cachés. Même si c'est au fond des mers, nous entrons au fond des mers et nous sortons ton dossier. Nous sortons tous tes dossiers. Continue à prier en langue. Urabaka sarabaka. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous jugeons toute maladie. We judge every disease. Qui a été lancée. That have been announced. Comme un sort. As a lot. À quelqu'un. To somebody. Présent ici. To somebody. Ou bien se trouvant quelque part avec nous en prière. Que toute maladie let every disease, venant des sorts, des envoûtements coming from the spell of bewitchment, quitte leave, et rentre là où on l'a envoyé. Go back where it is from. Qu'il retourne chez la personne qui l'a envoyé. Let it go back to the person qu'elle parte. Qu'elle parte. Let it go. Qu'elle soit arrachée and et retourne and go back au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier. Keep praying. Retourne d'où tu es venu. Continue à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, si on a mis des médicaments sur la voie publique, if they have put some medicine on the way, the public way. Afin que toute personne qui va traverser ramasse la maladie. So that every person that will cross it will take the disease. Ou la malédiction. Or the curse. Nous cassons cela. Break it. Nous déclarons we declare que tu es libre. Free, 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 tous free. Ceux qui souffrent all those who suffer pour avoir traversé les médicaments. Because they have crossed, nous déclarons leur liberté we give them et leur délivrance. Liberté, délivrance, liberté, délivrance. Liberté, délivrance. Liberté, délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Si, si, j'ai donné le cadeau à quelqu'un et il a utilisé ça pour me faire du mal. Il utilise mon cadeau pour me faire du mal, pour m'envoûter.
Je déclare que ce lien est brisé au nom de Jésus. 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 Si j'ai offert un cadeau à quelqu'un et il a pratiqué contre moi et je me retrouve envoûté, je détruis cet envoûtement. Je me sépare de ce que je lui ai donné. On continue à prier en langue. Urabaka sarabaka sabaka rabaka urabaka sarabaka sabaka urabaka sarabaka sabaka urabaka sarabaka sabaka urabaka sarabaka sabaka urabaka 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 sabaka Dieu, oh Père, oh, Father, guéris et délivre ton peuple. Heal and deliver your people. Pardonne ses péchés. Forgive its sins. Pardonne les paroles mensongères. Forgive the lies. Pardonne l'arrogance et l'orgueil. Forgive arrogance and pardonne, pride. Pardonne l'hypocrisie. Forgive hypocrisy. Pardonne le vol des offrandes et des dîmes. Pardonne tout péché commis par ton peuple. Forgive every sin committed oh, by Père, your people. Oh Father. Aie compassion. Have mercy. Have mercy. Que ce qui est arrivé à Israël à la suite de l'affaire d'Akan ne nous arrive pas. Que ce qui est arrivé à l'église de Corinne qui vivait dans le désordre et les gens étaient morts, d'autres étaient malades. Que cela ne nous arrive pas. Oh Père, que cela ne nous arrive pas. Par compassion et par miséricorde. Visite chaque église locale. Prions en langue. Durabakasa, rabakasa, 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 rabakasa. Urabaka rabaka sarabaka saka rabaka sarabaka rabaka sarabaka urabaka sarabaka saka ba urabaka sarabaka saka ba urabaka saka rabaka saka rabaka urabaka saka rabaka urabaka saka rabaka urabaka saka. Tu peux t'asseoir. Be seated, please. Satan, tu es vaincu. Satan, you are overcome. Tes œuvres ne sont pas éternelles. Your works are not eternal. Nous les détruisons. We destroy them. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Jésus est venu. Jesus came. Pour détruire tes œuvres. To destroy your works. Jésus est venu pour détruire tes œuvres. Jesus came to destroy your works. Et tes démons sont vaincus. And your demons are overcome. Tes représentants sont vaincus. Your representatives are overcome. Vaincu au séjour des morts. Overcome in Hades. Vaincu dans les eaux. Overcome in waters. Vaincu dans les forêts sacrées. Overcome in sacred forests. Vaincu partout. Overcome partout. Everywhere. Vaincu. Everywhere. Et toi, démon. And you, demon. Tu sais que tu es un démon. You know that you are a demon. Tu sais que cette guerre est contre toi. You know that this war is against you. Va-t'en vite. Be gone quickly. Va
Va-t'en vite. Go quickly. Il n'y aura pas d'endroit où tu peux te cacher. There will not be a place where you can hide. Ora va cachare, va cala cachare. Cachare, va cachare. Va cachare. Va-t'en vite. Go quickly. Restez concentré. Remain focused. Le Seigneur travaille. The Lord is working. Même s'il faut casser plusieurs tombes. Even if you have to break many tombs. Il est en train de le faire. He's doing it. Même si c'est le serpent ancien, even if it is the old snake, il est en train de le faire. He's doing it. Va-t'en vite. Go quickly. Si tu es suivi, if you are followed, par un esprit, by a spirit, qui est en toi, which is in you, parce que tu as lutté avec quelqu'un en songe, because you fought with somebody in a dream, et il t'a donné un coup, he gave you a blow, et le mal a commencé, and the pain started. Je chasse ce mal, I cast out that pain, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus. Si tu as une toux chronique, if you have a cough that is not finishing, je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Que toute personne, let any person, habitée par un esprit de mort, who has a spirit of death in him, même si c'est depuis ta naissance, even if it is from your birth, même s'il y a des racines, even if there are roots, je les taille en pièces. I cut them to pieces. Je les taille en pièces. Cut them to pieces. Et j'ordonne, and I command, que tu t'en ailles. That you go. Au séjour de mort. In Hades. Va-t'en vite. Depart quickly. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Dis d'un commun accord. Say in one accord. Nous jugeons, nous venons au secours. We come to help. De toute personne qui a combattu seule depuis des années. Every person who have been struggling alone from the years. Et qui a rencontré des résistances. And who have encountered resistances. Et nous nous associons à cette personne. We get together with that person. Nous cassons la résistance. And we break the resistance. Nous brisons cette résistance. Break that resistance. D'un commun accord. In one accord. Nous brisons cette résistance. Break that resistance. D'un commun accord. In one accord. Nous brisons cette résistance. Break that resistance. D'un commun accord. In one accord. Nous brisons cette résistance. Break that resistance. Et nous proclamons la liberté. And we proclaim deliverance. Gardez le calme. Remain calm.
Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je déclare. I declare que je ne veux pas de sorcellerie. That I don't want any witchcraft. Je refuse la sorcellerie. I refuse witchcraft. Je m'attache au corps de Christ. I abandon myself to the body of Christ. Je me sépare de tout objet. I separate myself from every object qui porte mon nom. That bear my name. Dans le camp des sorciers. In the camp of the sorcerers, I blot out my name. Je refuse tout ce qu'il croit être bien, tout ce qu'il croit être mauvais. I refuse all that they think is good or bad. Je refuse. I refuse. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je chasse tout esprit venant des eaux. I cast out every spirit from the waters. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tu peux enlever les mains de la tête. Tu restes en prière. Remain in prayer and remove your hands from your head. Say, spirit husband, enlève tout ce que tu as volé. I remove all that you have stolen. Et je te remets tout ce que tu as amené. And I give you back all that you brought. Les blocages et les maladies. Blockages and diseases. Et la pauvreté. And poverty. Prends-les. Take them. Va-t'en. Go. Je n'ai pas besoin de toi. I don't need you. Je n'ai pas besoin de toi. I don't need you. Que je ne te vois plus jamais. Let me see you no more. Dans mes songes, jamais. In a dream, never. Va-t'en vite. Be gone quickly. Que je ne te vois plus jamais, jamais, Let jamais. Let me see you anymore. Jamais, jamais, jamais. Never, never. Jamais, jamais, jamais. Never, never. Jamais, jamais, jamais. No more, no more, no more. Jamais, jamais, jamais. No more, no more, no more. Gardez le calme. Gardez le calme. Remain calm. Gardez le calme. Keep quiet. Va-t'en vite. Depart quickly. Ne reviens plus jamais. And no longer come. Jamais, 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 jamais. No longer, no longer. Jamais, 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 no longer, no longer, no longer.
Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Certains maris de nuit ont sali les femmes. Some spirit husbands have defiled the women. Parce que les maris de nuit sont des esprits jaloux. Because spirit husbands are jealous spirits. Ils t'ont rendu vilaine. They have made you ugly. Comme ça, il reste le seul. In this way, he's alone. Quand les gens déjà te regardent, when people look at you, c'est comme s'ils regardaient les caca. It's just as if they are looking shit. Je déclare, I declare que Christ est mort pour toi à la croix. That Christ died for you on the cross. Son sang te purifie. His blood cleans you. Je déclare, I declare Christ est mort pour toi à la croix. Christ died for you on the cross. Et son sang te purifie. And his blood cleans you. Son sang te purifie. 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 His blood cleans you. Tu es libre. You are free. Lavé, 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 lavé. Washed, washed. Tu es libre, lavé, lavé, lavé. Washed, washed, washed. Tu es lavé, lavé, lavé. Washed, washed, washed. Lavé, 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 lavé. Washed, washed, washed. Lavé, lavé, lavé. Washed, washed, washed. Lavé, lavé, lavé. Washed, washed. Que tous les démons. Let all the demons. Qui entretenaient cette laideur, partent de ta vie. Which caused that ugliness. Je les chasse au nom de Jésus. I cast them out in the name of Jesus. Même chose. Same thing. Pour les hommes qui ont subi le même sort. For men who had the same who are in the same situation. Que tu dis bonjour à une femme et se fâche. You say good morning to a woman, she gets angry. Va-t'en. Depart. Jugeons cette armée de démons qui rend vilain, méprisable. Judge. This army of demons who makes people ugly and despisable. Gardez le calme. Remain calm. Gardez le calme. Keep quiet, please. Esprit méchant. Wicked spirit. Esprit méchant. Pure spirit. Va-t'en vite. Be gone quickly. Gardez le calme. Remain calm. Tenons-nous debout. Let us stand up. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head.
Dis, je déclare. Say, I declare. Que par les maîtrisures de Christ. That by the stripes of Jesus. Je suis guéri. I am healed. Par les maîtrisures de Christ. By the stripes of Jesus. Je suis guéri. I am healed. Par les maîtrisures de Christ. By the wounds of Christ. Je suis délivré de la maladie. I am delivered from disease. Par les maîtrisures de Christ. By the wounds of Christ. Je suis délivré de l'esclavage de la maladie. I am delivered from the slavery of sin. Je déclare. I declare. Que mon corps est libre. That my body is free. Mon corps est libre. My body is free. Maladie. Disease. Je me lève contre toi. I stand against you. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Et je juge les puissances qui sont avec toi. And I judge the powers that are with you. Je juge les puissances qui sont avec toi. I judge the powers that are with you. Je juge les puissances qui sont avec toi. I judge the powers that are with you. Va-t'en. Be gone. Que mon corps soit libre. Let my body be free. Hémorroïdes. Partez. Be gone. Que tu sois libre. Let my body be free. Hémorroïdes. Hémorroïdes. Partez. Be gone. Hémorroïdes. Hémorroïdes. Partez. Part. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Cancer. Cancer. Et toutes les maladies dites incurables. And all the incurable diseases. Le diabète. Diabetes. Le sida. AIDS. Les insuffisances rénales. Renal failure. La drépanocytose. Sickle cell. Toutes ces maladies, le glaucome. All these, hypertension. Diseases. Hypertension. Nous déclarons. We declare. Et nous brisons le lien. And we break the tie. De ce nom qu'on vous a donné. Of that name that has de been given. De ce qualificatif. Of this qualification. C'est incurable. Nous déclarons. Incurable. Que nous brisons cela. We break this. Que toute personne qui est atteinte de ces maladies. Let any person that is suffering from that disease. Soit guéri maintenant. Be healed now. Soit guéri maintenant. Be healed now. Soit guéri maintenant. Be healed now. Guérison divine. Divine healing. Descends. Come down. Et glorifie le Seigneur Jésus. And glorify Jesus. Dans chaque corps. In each body. Guérison divine. Divine healing. Glorifie le Seigneur Jésus. Glorify the Lord Jesus. Dans chaque corps physique. In every physical dans chaque body. Corps physique. Every physical dans chaque body. Corps physique. In every physical body. Dans chaque corps physique. In every physical body. Fais les gestes que tu ne parvenais pas à faire. Do the gestures that you couldn't do. Reçois la vie. Receive life. Dans ton cœur. In your heart. Reçois la vie. Receive life. Dans tes poumons. In your lungs. Reçois la vie. Receive life. Dans ton foie. In your reçois liver. La vie. Receive life. Dans tes reins. In your reçois kidneys. La vie. Receive life. Reçois la vie. Receive life. Reçois la vie. Receive life. Ora bakashara baga. Reçois la vie. Receive life. Reçois la vie. Receive life. Reçois la vie dans tes genoux. Receive life in your knees. Reçois la vie. Receive life. Reçois la vie. Receive life. Reçois la vie. Receive life. Dans ta colonne vertébrale. In your backbone. Dans ta colonne vertébrale. In your backbone. Dans ta colonne vertébrale. In your backbone. Reçois la vie. Receive life. Reçois la vie. Receive life. Reçois la guérison. Receive healing. Reçois la vie. Receive life. Reçois la guérison. Receive healing. Reçois la vie. Receive life. Reçois la guérison. Receive healing. Reçois la vie dans tes nerfs. Receive dans tes nerfs. In your nerves. 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 Reçois la vie. Receive life. Par la foi au roi des rois. By faith in au the Seigneur King éternel. In the eternal Lord. Reçois la vie. Receive life. 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 Pour Abakasha. Reçois la vie. Receive life. Sois délivré de la sinusite. Be delivered from sinusitis. Sois délivré de l'asthme. Be delivered from asthma. Sois délivré des troubles respiratoires.
be delivered from respiratory disease. Reçois la vie. Receive life. Dans tes membres. In your reçois la vie. Limbs. Receive life. Reçois la vie. Receive life. Reçois la vie. Receive life. Reçois la vie. Receive sois life. Délivré des fibromes. Be delivered from fibroids. Sois délivré des fibromes. Be delivered from fibroids. Nous les raclons. We take them all. Nous les jetons dans les abîmes. And cast them into the abyss. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous ouvrons tes trompes. We open your. Nous ouvrons les trompes. We open the tubes. Nous ouvrons les trompes. We open the fallopian tubes. Nous ouvrons les trompes. We open the tubes. Nous ouvrons les trompes. The fallopian tubes. We open them. Tu es qui est malade. You are sick. Des infections. Of infections. De toutes sortes. Of any kind. Tu es délivré. You are delivered. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu es délivré de ces infections. You are delivered from these infections. Quelle que soit l'origine. Whatever the origin. Délivré. Delivered. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Jésus-Christ. Jesus. Veuillez vous asseoir. Be seated, please. Nous avons 10 minutes pour 10 témoignages. We have 10 minutes for 10 testimonies. Si tu veux rendre témoignage, viens vite. If you want to testify, come quickly. Donnez-leur le micro. Give them the microphone. Prends le micro. Take the mic. Commence. Start. Hier, yeah, quand le pasteur Meunier dirigeait la prière et que nous étions en train de proclamer, un esprit a pris le visage de ma mère et il me suppliait d'arrêter. Mais le Saint-Esprit me demandait de continuer et l'esprit a été divisé. Le visage a été divisé en deux. J'étais troublé, mais le Saint-Esprit m'a conforté. Il m'a dit que j'ai eu la victoire. Alors, ce sont 20 années d'errance, 20 années d'instabilité, 20 années de souffrance et de propre qui sont finies maintenant. Je suis libéré au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai tenu à proclamer ce soir. Tu es délivré. Je bénis le nom you du Seigneur. Que ce visage ne se reconstitue plus. Let that faith not be reconstituted again. Va servir Jésus. Go and serve Jesus. Tu verras la gloire. We see the glory. Oui, vas-y. Gloire à Dieu. Je suis le frère Bautissier Jean Maurice et je faisais le disciple la sœur Carole Babatondé. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui guérit. Alléluia. Je sentais des douleurs au niveau du bas ventre et ça m'empêchait de faire certains mouvements. Alléluia. Et aujourd'hui, après le ministère, je m'étais assis dans mon coin, alléluia, pour ne pas faire tout. Et pendant qu'on priait, le Seigneur a opéré le miracle. Les douleurs ont disparu. Acclamation, il est guéri, suivant. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Je suis la sœur Gay Angela Christelle. J'ai pour faisant des disciples, maman Ruth Conan. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait, dans la prière intense, frère, lorsque le pasteur disait qu'il faut qu'on prie pour que tous ceux qui ont dit que tant qu'ils sont en vie, nous ne pourrons pas progresser et nos dossiers seront bloqués. Frère, quand il a dit de briser les liens, j'ai vu dans une vision un homme qui était allé voir un marabout. Et le Seigneur me faisait comprendre que c'était l'un de mes parents, de mes arrière-grands-pères. Et quand j'ai prononcé cette parole, je brise les liens, j'ai vu les canaris qui étaient cassés et ils se sont dispersés. Acclamation, désenvoûté. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Amen. Viens, au nom de Jésus, que cela vienne à l'existence. J'arrache tout ce qui t'a été volé. Je te rétrocède tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Amapi Valérie Flore. Lorsque nous étions en train de prier, j'étais assis là. C'est comme si je dormais, mais je ne dormais pas. J'ai vu souris sortir de ma maison.
Parce qu'une année était à moi payée. J'avais gardé 10 dîmes de mon Dieu, 1000 francs. Il y avait un souris qui avait pris les 1000 francs et mon foulard fait entrer dans le trou. Je cherchais, je ne trouvais pas. Je me lamentais et je priais. Et j'avais entendu une voix que regarde dans le trou là-bas, à gauche, prends un bâton, fouille. Mes frères et sœurs, j'ai pris le bâton, j'ai fouillé. Quand j'ai fait comme ça, premièrement, c'est mon foulard qui est sorti. Deuxièmement, c'est le 1000 francs de dîme de Dieu qui est sorti. Mais le souris n'a pas pu déchirer. Et aujourd'hui, lorsqu'on priait, j'ai vu souris sortir de une maison. Et c'est que c'est de ma maison. Depuis fort longtemps, je n'arrive pas à jouer les debout. Tout ce que je gagne comme l'argent, tout se disperse. Tout se disperse. Tout l'argent que je gagne, tout se gâte. Et j'ai vu que ce souris-là, c'est ça qui est sorti de ma maison. Toute pauvreté est partie. C'est fini. Et je suis libéré. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen, c'est fini. Tu es désenvoûté. La pauvreté des souris est finie. You are unbewitched. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur gérée par Agnès qui a dit, mon faiseur de disciples, la mission numéro 2 de Bokanda. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré d'un esprit de mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Adopos Obi Juliette. J'ai pour faiseur pasteur Cyprien de Bergerville. Au moment où j'ai pris mon mat de jeûne, 3 jours, à Abidjan là-bas, je priais. Et non, puis, qu'est-ce qui s'est passé? Mon quand papa on prie, dit attends, que. Attends. Donne-lui le micro. Donc, tu parlais des choses, dis. Je veux que ce qui s'est passé tout de suite là, tout de suite. Et puis, il dit donc que pourquoi je le divorce, que je ne veux plus le marier, que la maison là c'est pour lui, qu'il s'en va. Et au moment où papa a dit sortez, j'ai commencé à prier. Et puis, il dit non, je m'en vais. Que la maison, la chambre, la maison, c'est pour Jésus-Christ. Donc, je veux bénir le nom de Dieu. Il m'a marié, il a tout gâté ma vie. Moi, aujourd'hui, il est parti pour toujours à l'au-delà, où il est quitté au séjour de mort. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kouadiane d'ici du pasteur Meunier. Quand on priait pour les dossiers bloqués, j'ai vu beaucoup de dossiers bloqués sous l'eau. Beaucoup de dossiers qui étaient bloqués sur l'eau. Et il y avait des anges qui les enlevaient. Il y avait plusieurs barriques dans lesquelles on les mettait pour les sortir des profondeurs des eaux. Amen. Pose encore la main sur ta tête. Lay your hands again on your head. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que Jésus guérit de toute maladie. That Jesus heals from every disease. Jésus guérit de toute maladie. Jesus heals from every disease. Les petites maladies. Small diseases. Et les grandes maladies. And great diseases. Prions en langue. Let us pray in tongues. Ora baga jor baga goba jer baga goba jer baga goba jer baga goba jer baga ora baga jor baga goba jer baga goba jer baga ora baga jor baga jer baga jer baga jor baga jor baga ora baga jor baga jor baga jer baga ora baga jor baga jor baga jer baga jor baga jor baga jor baga ora baga jor baga jor baga Say, maladie. Disease. Nous entrons dans votre royaume. We enter your kingdom. Nous le désorganisons. We disorganized. Nous jugeons les démons. We judge the demons. Et les esprits des hommes. And the spirit of men. Tout ce qui entretient la maladie dans un corps. Whatever keeps disease in a body. Nous jugeons ce règne maintenant. We judge that right now. Nous cassons. We break. Le règne des maladies. The reign of diseases. Le règne des maladies. The reign of diseases.
de toute maladie qui est une honte, une ignominie, une opprobre. Say every disease that is a shame. Nous la jugeons. Judge it. L'épilepsie. Epilepsia. Les pipis au lit. And peeing toute on maladie. The bed. Every disease. Avilissante. Which is destroying. Nous la condamnons. We condemn it. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Qui a un témoignage? Who has a testimony? Qui a un témoignage de guérison authentique? Who has a testimony of genuine healing? Let him come quickly. Oui. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sita Kouadi, mon frère, ici, c'est moi, Colette Méné. Alléluia. Depuis ce matin, j'ai eu une torticolis. Je ne pouvais pas tourner ma tête. J'ai eu mal. Et jusqu'à ce que je vienne m'asseoir, tout le temps du programme, j'ai eu mal. Et je disais, Seigneur, aujourd'hui, là, il faut que je rende témoignage. Jusqu'à ce qu'on dise Amen, il faut que cette douleur disparaisse. Alléluia. Et pendant la prière, quand on a commencé à prier, je prie, je tourne ma tête, je tourne. Pendant que les autres ont donné leur témoignage, la douleur a disparu. Jésus-Christ, elle est guérie. Je bénis le Seigneur pour cette guérison miraculeuse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Jean-Philippe. Avant qu'on prie, avant que le pasteur demande qu'on prie, il y avait une forte migraine. Je suis même allé à l'infirmerie, on m'a dit la pharmacie est fermée. Quand j'ai prié, la maladie et la mal de tête a disparu. Amen. Il est guéri. He's healed. Alléluia. Moi, c'est Kofi Akissi Larissa. Et hier soir, je suis arrivé. Hier, pendant la louange, j'ai eu une migraine forte. Je ne pouvais pas supporter même. C'était très difficile. J'avais envie d'aller m'asseoir, mais je me suis forcée. Mais quand on a fait deux ou trois fois, là, je suis arrivée ici. Là. Un coup, la migraine a disparu. Donc, j'ai dit merci beaucoup à Dieu. Et encore, ça ne s'est pas arrêté là. Je suis partie m'asseoir. Pendant que le pasteur parlait, j'ai fermé mes yeux, j'ai vu un oiseau vert. Et sa gueule, tout ici, sa queue était noire. Cet oiseau s'envolait pour venir, un coup, il est devenu flèche de bombe. Quand j'ai dit au nom de Jésus, il est tombé, il est mort. Je dis merci encore à Dieu. Pendant ma maladie, je ne peux pas dormir, étant là-bas. Je me réveille au milieu de la nuit, je ne peux pas dormir, j'ai peur, je rêve, je m'en vais. Je suis mort, tout ça là, je ne peux pas dormir. Mais hier, quand je suis arrivé ici, avant de dormir, quand je priais, c'est comme si je montais sur une côte. Maintenant, presque j'allais arriver au sommet de côte là. Dis ce qui s'est passé ce soir. Maintenant, ce soir là, vraiment, je dis merci à Dieu. Je me sens bien. Amen. Ne parlez pas des jours d'hier, c'est tout à l'heure là. Don't talk about yesterday. Gloire à Dieu! Je me nomme Padre Mathilde. Et vous faites des disciples, la sœur Manzan Antoinette. Il faut dire que depuis hier, quand je suis venue, j'étais faible même, j'étais fatiguée. Donc je me suis dit que c'était le jeûne. Mais ce n'était pas trop ça. J'avais mal, je me sens faible. Mais hier, quand on priait, pour me lever, c'était un problème. Mais depuis que le papa a pris la parole et qu'il a commencé par prêcher, je me sens forte où je suis la même. Et je dis grandement merci à Dieu. Amen. Alléluia. Je suis la sœur Zran Félicité. J'ai pour faiseur des disciples. Voici Diomandé. Il faut dire que depuis mon enfance, j'ai un problème de ventre. Et c'est vraiment sérieux. J'ai mal. Et hier, quand je venais, la douleur a commencé. Depuis hier, je me sens mal à l'aise. Mais depuis on a commencé la prière, je sens une guérison totale,
Acclamation à Jésus-Christ. Le nom du Seigneur. Et j'ai aussi un problème de hanche. Je ne peux pas travailler, même pour faire la cuisine, c'est un problème. Mais là où je suis, ça va. Je suis en train de sauter. Jésus-Christ. Le nom de Jésus. La voilà. There she is. Guérie. Alléluia. Je me nomme Kwaku Abena Rachel. Je vous faisais d'ici Papa Dominique. Je remercie Dieu parce que quand je suis venue même là, je ne veux pas m'asseoir ici. Je m'assois par derrière à cause de mon enfant. Parce que la pipi se répète à chaque 2 minutes. Ça y est dessus. Pendant 2 ans, je suis fatiguée de faire les médicaments. Mais quand je suis arrivée ici, depuis qu'ils ont commencé, je n'ai pas vu qu'il est parti uriner. Je rends gloire à Dieu. Je sais que c'est la guérison au nom de Jésus. Il est guéri. Il est healed. Gloire à Dieu. Moi, c'est Kassiata. Mon fils de disciple, c'est le pasteur Djadji. En fait, hier, je venais de Trècheville. Et puis, mes yeux étaient rouges comme le sang. Et puis, après la prière d'aujourd'hui, j'ai remarqué que ma trouble de vision a disparu. Et puis, je suis guéri authentiquement. Et au nom de Jésus. Amen. Ça se voit même. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclamons très fort. Clap louder. Vous savez, you know, quand tu as prié, when you have prayed, comme nous venons de prier, as you have just done, il faut croire, you must believe, que Dieu a entendu, that God has heard, qu'il t'a exaucé, that he has answered you, qu'il t'a même déjà donné, and that he has even given it to you already. Jésus dit, Jesus says, quand tu pries, when you pray, tu crois que tu as reçu, believe that you have received. Certains rendent témoignage. Some testify. Toi, tu peux te demander. You can ask yourself. Moi, je n'ai pas eu de vision. I didn't have any vision. Ce n'est pas tout le monde qui a les visions. It's not everybody that have visions. Chacun a ses dons. Each one has his gift. Toi, tu dois croire. You must believe. Que comme tu as prié, that as you have prayed, Jésus t'a exaucé. Jesus has answered you. Si tu crois, if you believe, tu verras la gloire de Dieu. You shall see the glory of God. Certains d'entre vous, some among you, vont même réaliser qu'un jour, we realize that one day, les anges sont venus chez eux, angels has come to them, pour les délivrer, to deliver them. Ça sera le résultat de toutes ces prières. This will be the result of all those prayers. Il y a une sœur qui a rendu témoignage. A sister testified here. C'est en priant ici que les anges sont venus l'opérer étant ici pendant qu'on priait. While we're praying here, the angels came to operate her on. Elle disait qu'elle se porte bien. And she was saying that she's doing well. Alléluia. Praise the Lord. Donc quand tu rentres, so when you go back, tu restes dans un esprit de prière. Remain in a spirit of prayer. Tu reviens demain. And you come back tomorrow. Et la bataille continue. And the battle. Continue. Sache qu'il y a ce que la parole de Dieu a appelé le quartier général du diable. You must know that there's what the word of God named the general headquarters of the devil. Un endroit, a place, où le diable planifie les attaques contre toi. The devil plan attacks against you. Mais ils sont vaincus. But they are overcome. C'est ce que la Bible a dit. This is what the Bible said. Ils sont vaincus. They are overcome. Pourquoi? Why? Parce que Jésus. Because Jesus est en moi, is in me. Jésus Jesus est en toi. Is in you. Acclamons ensemble. Let us clap together.